Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Cette Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Y avait soi-disant du mithril. Si on avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains, des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Arger, tu n'es pas bienvenu. Lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue brûlant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée. Il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. À travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Amis, restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis, allez, patron!